Chanson à Sainte-Lucie qui dit Maman est là, joie où il veut. Mr. Chairman, heads of government and delegations on the platform, Monsieur le Préfet and other representatives of the French state, including the ambassador to the OECS and the European ambassador, high representation and ambassadors of friendly countries, presidents of other French Caribbean regions and collectivities, members of the Regional Council of Guadeloupe, ministers of government, other high-level functionaries of Region Guadeloupe, governor of the Eastern Caribbean Central Bank, members of the OECS Commission, development partners representatives, other specially invited guests, delegates of OECS member states, staff of the OECS Commission and the Regional Council of Guadeloupe, other invited guests, ladies and gentlemen. I would like to first of all extend the congratulations of the Organization of Eastern Caribbean States to the newly elected Premier of the British Virgin Islands, the Honorable Andrew Foy, who is attending his first overseas engagement in this historic encounter of the authority here in Guadeloupe. We look forward to working closely with you, Premier, to fulfill the promise of the revised Treaty of Basse-Terre. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, permettez-moi de vous accueillir tant des îles de la Caraïbe que des autorités françaises et autorités locales et divers représentants et fonctionnaires. Je voudrais tout premièrement saluer et féliciter l'Organisation des États de la Caraïbe pour cette première mission qui est accomplie par le nouvellement élu Premier ministre des Îles Vierges de la Caraïbe, qui commence ainsi ses fonctions, honorable Andrew Fahy, par cette haute mission historique, à savoir cette rencontre de l'autorité ici en Guadeloupe. In the long arc of human history, the narrative of our Caribbean civilization has been a relatively short but intensely combative tale of contending forces. Today, both history and geography have conspired to bring us to this moment in which the contradictions of our history have finally been overcome by the undeniability of our geography. Today, 25 years following the accession, 5 years following the accession of Martinique, we welcome our sister Guadeloupe to associate member status in the Organization of Eastern Caribbean States. This brings to 12 the membership of our organization, 6 independent Anglophone territories and 6 non-independent territories, 3 of whom are British overseas territories and 3 French departments. Alors, l'interprète va reprendre. Dans ce long récit, quoique relativement court, de notre civilisation caraïbe, notre parcours a été jonché d'histoires, de combats intenses entre des forces opposées. Aujourd'hui, l'histoire comme la géographie ont conspiré pour nous amener à ce moment crucial, dans lequel les contradictions de notre histoire ont finalement été vaincues par notre géographie que personne ne saurait nier. Aujourd'hui, 5 ans suivant l'adhésion de la Martinique, nous accueillons notre île sœur, la Guadeloupe, comme État membre associé de l'OECO-OECS. Cela nous ramène donc maintenant à 12 membres dans notre organisation, 6 États et territoires indépendants anglophones et 6 États et territoires non indépendants, parmi lesquels 3 sont des territoires britanniques et 3 sont des départements français.
The argument of Sir Arthur Lewis of the need to overcome the agony of the little eight has been superseded by the unparalleled possibility of the archipelagic 12. La souffrance qu'exprimait à l'époque Sir Arthur Lewis lorsqu'il disait que nous souffrions du fait qu'il fallait absolument vaincre le sort de ces 8 petits îlots isolés a maintenant été remplacé et surimposé par cette nouvelle possibilité d'un archipel de 12 qui nous est donné. The convening of this special meeting of the authority signifies the importance which the OECS heads of government place on the acceptance of Guadeloupe into the organization. The next regular meeting of the authority is scheduled for June 2019, but the diligence as well as a sense of urgency brought to the table by President Chalus and his negotiating team, as well as the determination of our negotiating team led by former Director General Lestrade and supported by Ambassador Severin, made it imperative that we do this now and not later. La convocation de cette Assemblée spéciale de l'autorité montre bien toute l'importance qu'il y a pour les chefs de gouvernement de l'OECO-OECS pour cette acceptation de la Guadeloupe comme membre de notre organisation. La prochaine Assemblée générale régulière de notre autorité est prévue de fait pour juin 2019. Toutefois, la diligence ainsi que le sens de l'urgence qui ont été soulevés par le président Harry Chalus ainsi que son équipe de négociation, de même que celle qui a été montrée par la détermination de notre équipe de négociation, conduite par l'ancien directeur général Lestrade, a rendu impératif que nous agissions ici et maintenant et non plus reporter à plus tard cette décision, parce qu'il y a de l'amour qui doit ramener la réconciliation. There can be no postponement of the love that brings reconciliation. How can it be that we, who are members of the same family, living in the house of the Caribbean, be so estranged, each a stranger in their own room? Il ne saurait y avoir de report à nouveau de cet amour qui est censé amener la réconciliation. Un de nos lauréats du prix Nobel, Derek Walcott, nous rappelle que lorsqu'il y a un vase qui est brisé, l'amour qui va cimenter les fragments de ce vase sera bien plus fort que celui qui ne voyait que quelque chose de naturel dans sa parfaite symétrie lorsqu'il était encore entier. One of our Nobel laureates, Derek Walcott, reminds us that if you break a vase, the love that reassembles the fragments is stronger than that love which took its symmetry for granted when it was whole. Associate membership of Guadeloupe in the organization satisfies a number of objectives in which all sides have an interest. For the OECS, this process involves the widening of the integration process towards greater engagement and the development of special relationships with the wider Eastern Caribbean neighborhood, notwithstanding the national or political constitutional circumstances of the constituents of that neighborhood. L'adhésion de la Guadeloupe en tant que membre au sein de l'organisation satisfait un grand nombre d'objectifs qui couvrent un grand nombre de facettes. Pour l'OECO, ce processus va faire intervenir une plus grande dimension au processus d'intégration vers un plus grand engagement et le développement de relations spéciales encore plus développées avec la Grande Caribéenne, la Grande Caraïbe, en particulier la Caraïbe orientale, qui est notre voisin direct. Call it a new sisterhood of the hood. For Guadeloupe, this accession actualizes its deep desire for recognition and acceptance of its Caribbeanness, its Caribbean identity, and for cultural, economic, social, and other connections with the rest of the Caribbean.
Pour la Caraïbe orientale, nonobstant nos différences nationales, politiques, constitutionnelles, nous sommes des voisins et nous sommes appelés à créer ce qui est une sororité sans précédent dans toutes les formes de IT que nous pourrions inventer. Pour la Guadeloupe, devenir membre, cette adhésion actualise en fait son profond désir de reconnaissance et d'acceptation au sein de ce qu'il est convenu d'appeler sa caribéanité ou son identité caribéenne, ainsi que la connexion culturelle, économique et sociale avec le reste de la Caraïbe. We are convinced from our accession negotiations that unparalleled opportunities exist to increase cooperation initiatives in a wide range of areas that include integrated tourism development and marketing, inclusive of tourism statistics and the development of our health and wellness industries. Nous sommes particulièrement convaincus, et ceci a été très clair dans nos négociations pour cette adhésion, qu'il existe des opportunités sans précédent pour accroître les initiatives en matière de coopération dans une vaste gamme de domaines, au sein de laquelle je peux citer le développement d'un tourisme intégré et d'un marketing intégré, y compris pour le domaine des statistiques du tourisme et du développement de nos questions de santé et d'industrie du bien-être, ainsi que le secteur sanitaire tout entier. Education reform, with special attention to technical and vocational education and training. Trade and investment, with a focus on small enterprise development. La réforme de l'éducation, notamment en matière de formation technique et en matière de formation professionnelle. Les échanges commerciaux et l'investissement, s'agissant tout particulièrement des TPE et des petites entreprises et leur développement. Trade, agricultural development and technology transfer, sports development, cultural development with particular emphasis on film and music industries. Le développement du secteur agricole et du transfert des technologies, le développement du sport en tant qu'industrie, le développement culturel, en particulier notamment pour l'industrie du cinéma et de la musique. Regional air and sea transport and environmental management, inclusive of disaster risk reduction, climate change and renewable energy. Autre domaine de bénéfices mutuels, le transport aérien et le transport maritime. Ainsi que la gestion des questions environnementales, notamment la réduction des risques, ainsi que les questions de changement climatique et d'énergie renouvelable. For Guadeloupe, in its political persona as France, as Europe in the Caribbean, it is an expression of the EU policy of allowing, even encouraging, outermost regions to integrate with their immediate neighbors, the so-called neighborhood policy. Pour la Guadeloupe, pour ce qui représente son caractère en tant que France, en tant qu'Europe dans la Caraïbe, c'est là une expression de la volonté politique de l'Union européenne de permettre, voire même d'encourager, que ces rues puissent intégrer leur voisinage immédiat au travers de la politique connue comme intégration de proximité. As with any relationship, the value that is to be derived from Guadeloupe's associate membership of the OECS will depend on the amount of work that is put into making the relationship work. Comme pour toute relation de quelque nature que ce soit, la valeur de ce qui devra être tiré de cette adhésion de la Guadeloupe comme membre de l'OECO dépendra de la somme totale de travail que chacun des partenaires mettra dans cette relation. The signing ceremony is therefore not the end. Both Guadeloupe and the OECS have an incredible amount of work to do. La signature, cette cérémonie à laquelle nous participons aujourd'hui est par conséquent pas une fin. Tant la Guadeloupe que l'OECO vont devoir se relever sérieusement les manches
et s'atteler à une extraordinaire tâche, tant la tâche est grande. Today is only the beginning of something in whose ultimate possibilities we can only discern a truly ascendant Caribbean civilization. Aujourd'hui, nous ne visionnons que les tout premiers jalons de quelque chose qui, de loin, nous contemplons et nous percevons comme déjà les premiers contours d'une véritable civilisation caribéenne maintenant en train d'émerger. And as Derek Walcott says, and in the salt chuckle of rocks with their sea pools, there was a sound like a rumor without any echo of history really beginning. Et comme Derek Walcott nous l'a si bien dit, et je cite, et dans le petit rire salé des cailloux insulaires, au milieu de leur bassin naturel de pleine mer, il y eut un son, comme d'une rumeur sans écho. Et ce son, excusez-moi, ce son est le son de l'histoire qui se met véritablement, vraiment en marche maintenant. Thank you, merci beaucoup, merci un peu. Merci, merci beaucoup. Thank you.